Salut les amis, aujourd'hui le 9 de Nono s'invite pour une spéciale été barbecue. Il est là, je vous le présente. Voilà, je suis sorti un peu de mon loft et je suis venu chez moi. Voilà, chez moi, pour vous présenter plein de recettes pour cet été, pour faire des barbecues de malade. Donc aujourd'hui, ça va être du poulpe. Poulpe à la chili pepper et ail, d'accord, avec des poivrons grillés et citron rôti. Oui, et là, tac, on a ouvert la bête. Allez, on démarre tout de suite avec la recette du poulpe. Donc, j'ai acheté donc des tentacules de poulpe, hein, des bras, comme on veut. Là, je vais préparer la marinade. OK, ensuite, je vais préparer mes poivrons, persil, oignon, citron. Pour la marinade, j'ai pris du dry rub. Donc, c'est une marinade sèche. Là, c'est chili pepper garlic. Ça envoie. C'est un petit peu relevé. Ça va être super bon avec les tentacules de poulpe. Je vais rajouter une petite pâte de miso pour adoucir le côté umami. D'accord? Et de l'huile d'olive. Rien. Tout est dans la marinade. Le couteau du chef. Spécial barbecue. Allez. On va préparer les tentacules. Hop, je laisse comme ça. Donc ça a été poché 45 minutes. Voilà. Donc j'ai fait chauffer de l'eau, légèrement salée. J'ai fait friser les tentacules. Et après, j'ai plongé le poulpe et je l'ai laissé cuire 45 minutes. Chaleur tombante. J'ai éteint le feu et je l'ai laissé. Voilà. Ça pour l'été, ça déchire. Donc je vais mettre à mariner tout de suite les tentacules. Alors ce mélange, je l'ai acheté, c'est un mélange spécial barbecue, c'est américain, d'accord? Dry marinade and seasoning. Donc ça veut dire que ça assaisonne et ça marine à sec. Donc tout ça, c'est donc il y a de l'ail, c'est bien sûr l'ail séché, il y a de l'oignon, il y a du paprika, il y a du piment de Cayenne. Tout ça, c'est déshydraté et il n'y a plus qu'à. Là, on en met. Voilà. 4 cuillères à soupe. Ensuite, je vais arroser d'huile d'olive. 15 centilitres, 150 grammes. La pâte de miso. Faut que je la fermenter. Vous rajoutez donc 50 grammes de pâte de miso. Et là, on mélange. Donc le mieux c'est de laisser infuser toute la nuit si vous pouvez. Sinon au minimum 1 heure, c'est bien, avant de passer sur le barbecue. Et là vous avez les odeurs. Incroyable. Oh là là, le mélange marinade sèche et le soja fermenté, la pâte de miso, c'est incroyable. Regardez ça, tac. Voilà, ça je vais laisser ça infuser. Je vais m'occuper de mes poivrons, ma garniture, parce que je vais faire poivrons mariné, grillé avec de l'oignon et des citrons grillés et ça va déchirer. Voilà une recette de barbecue incroyable. Donc tentacules de poulpe marinés, grillés au barbecue avec une salade de poivrons grillés et citrons vraiment grillés au barbecue. Là, ça va être incroyable. Tac. Vous préparez vos poivrons. Les poivrons, c'était simple, très simple. Les poivrons, vous les mettez au four, un peu d'huile d'olive et vous les cuisez 180 degrés à 180 degrés pendant 1 heure et demie. Ensuite, vous les enfermez dans une boîte hermétique ou alors dans un récipient filmé. Et vous allez voir la condensation, ça va faire qu'on va pouvoir décoller plus facilement la peau. Moi, je déteste le poivron. Pourquoi? Parce qu'il y a la peau. Lorsque la peau est enlevée, j'adore ça. Mais sinon, avec la peau, j'en mange pas. J'ai horreur de ça. Je trouve ça indigeste. Le poivron, hop, regardez. Vous retirez la peau. Moi, pour ma barbecue, c'est vraiment au charbon. Barbecue électrique, c'est pas ma came. J'appelle ça une plancha. Mais j'adore la plancha, mais je préfère quand même le barbecue. Il y a un goût qui se donne, qui est quand même beaucoup plus fumé, boisé, qui est beaucoup plus intéressant. Voilà. L'électrique, ok. C'est bien quand tu habites en appart. C'est super. C'est vrai que quand tu fais un barbecue avec les voisins, je vais te dire que quand tu allumes la braise et que tu as une fumée qui part. Donc là, j'ai préparé mes poivrons. Ils sont rincés. Là, je vais préparer mes citrons grillés. J'adore ce goût un peu toasté, un peu bien, bien caramélisé. Voilà, citron, je prépare les oignons. Tac. On va rajouter les oignons. Hop, on arrose un peu les citrons. Voilà. Et hop, on va démarrer. On va commencer déjà par griller les poivrons et les citrons et ensuite on finira par le poulpe. El pulpo. Et voici la bête. Voilà, là j'ai posé donc une plaque en fonte et je vais griller mes citrons, vous allez voir. On prend le citron. Et voilà. En même temps, on ne perd pas de temps.
On mélange. Et là, on fait snacker, on grille. On va donner un petit côté BBQ. Voilà, au poivron. Allez, on ferme. Alors, chez vous, un barbecue, comment je le démarre? Moi, je démarre avec celui-ci. Donc, je mets ma braise. Donc, je mets mon charbon. D'accord? J'insère des petits morceaux de carton dedans. Je mets pas d'allume-vite. Parce que des fois, une fois sur deux, j'oublie d'en acheter. Donc, j'ai le charbon. Je mets des morceaux de carton. Je démarre sur un brasier au-dessus du charbon. D'accord? Au-dessus, je démarre. Ça, c'est ma technique. J'allume. Je mets le feu. Grosse flamme. J'ouvre. Les cheminées ici, en bas, l'air, elle passe. Elle s'engouffre. Donc, ça prend l'air et ça remonte sur la cheminée. Et là, tout s'embrase. Il faut, pour démarrer un bon barbecue, entre moments pour faire la braise, il faut à peu près 30 à 45 minutes pour obtenir une bonne braise. D'accord? Ensuite, vous jouez vraiment avec les ouvertures de cheminée en haut, en bas. D'accord? Et vous faites toujours, surtout très, très attention avec les enfants. D'accord? Un petit seau d'eau à côté, on ne sait jamais s'il y a un accident. Voilà. Et surtout, on dégage tous les angles. Voilà. Il n'y a rien qui traîne. C'est ça un barbecue pour moi. Le barbecue, c'est aussi la sécurité. Cet été, vous faites très attention au barbecue avec les enfants, surtout les tout petits barbecues là. Faites très, très attention. La sécurité, on n'est jamais assez prudent, ça va très très vite et surtout vous amusez pas à mettre de l'alcool sur le barbecue, ne vous amusez pas à côté du barbecue, pas de football, rien du tout, d'accord? Et si vous faites la fête, vous mettez un petit périmètre parce que le barbecue, ça pardonne pas quand même, faites très attention. Alors, si vous n'avez pas ce genre de barbecue, vous pouvez travailler sur des petits barbecues comme ça, les tout petits, c'est pareil, de la braise. Et ce que je vous conseille de faire, c'est que le barbecue, il est en prise directe dans l'air, d'accord? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est limite d'allumer votre braise dans une vieille cocotte. Vous allumez votre braise dans une vieille cocotte, d'accord? Et vous la versez après. Vous allez voir, ça va deux fois plus vite. Vous prenez un faitout, une vieille gamelle en aluminium avec un couvercle. Vous allumez, vous mettez le feu exactement, vous mettez le feu en dessous, au-dessus. Vous laissez le couvercle un tout petit peu ouvert et vous allez voir que vous préparez votre braise. Ça existe dans certains barbecues. Et après, vous la versez dedans et nickel. Pas de problème de sécurité, pas de grosses flammes et tout. Je vous le dis, honnêtement. Une vieille gamelle en alu. D'accord? Vous mettez votre braise, vous l'allumez, vous la mettez à couvert comme ça, la braise, elle commence à bien rougir avec une prise d'air comme ça. Une fois que la braise est bien prise, vous la mettez dans votre petit barbecue. Il y a plein de façons de faire un petit barbecue avec rien. Voilà. Ça commence, c'est beau ça. Alors, regarde, citron grillé. Regarde ça, ça c'est trop trop bon ça. Po, po, po. Tac, voilà, et hop. Là, moi qui n'aime pas le poivron, là, j'ai envie de le manger. Là, pou, 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 pou. Là, vous prenez, là. Allez. Là, c'est beau. Donc là, regardez, tac, j'ai préparé mes garnitures. Là, regardez, j'ai assaisonné sel, poivre. J'ai juste mis de l'origan dessus, grillé au barbecue. Regardez le citron. Regarde. Wow. Là, je vais aller cuire donc mon poulpe. Oh, allez, venez les amis. Tac. Et là, on est dans l'offre de Nono spécial barbecue. C'est pour vous cet été. Plein de recettes en folie avec le barbecue. Allez, on y va. Donc là, on va griller les bras, là, les tentacules. N'oubliez pas, j'ai cuisiné le poulpe la veille, 45 minutes dans une eau tombante. Entier, je l'ai fait friser. Ensuite, je l'ai laissé cuire à chaleur tombante. Là. J'ai récupéré le poulpe de la veille, je l'ai coupé les tentacules, je l'ai fait mariner avec donc une marinade sèche et saisonning, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'assaisonnement dedans, à base de chili, d'ail, paprika, d'accord, vraiment à l'américaine. Et là, hop, une bonne braise. Malheureusement, il y a 2 ans en arrière, j'ai vécu une souffrance, il y a 3 ans, pardon, il y a 3 ans en arrière, j'ai vécu une expérience dramatique avec le poulpe. J'étais dans le sud de la France, je vais même pas citer la région. Enfin, vraiment la ville, et je me suis fait empoisonner par un poulpe, un restaurateur qui a dû ne pas contrôler et ça m'a écœuré. Donc, est-ce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé l'amour du poulpe que j'ai perdu il y a 3 ans? J'espère. En tout cas, je me suis régalé à faire cette recette. Là, on a fait mariner, là, on fait griller à fond les ballons. Là, ça a remonté. Tu peux regarder, on est à 250, bonne chaleur. Donc là, c'est en Fahrenheit, c'est 500, et là, 250, 270. Et là, on fait griller, on ouvre toujours, on reste à côté, et là, regardez. Oh, oh, oh. Là, je peux vous dire, c'est. Regardez ça. Bon. Alors là, vu que le poulpe est déjà cuit, je vais laisser juste caraméliser, griller. On va laisser une petite. Allez, 10 minutes maximum.
D'accord? Il ne faut pas trop raidir le poulpe parce qu'après, il va se rétracter, il va se contracter, rétracter. On va manger du pneu là. D'accord? C'est vraiment une braise super forte. Voilà, on retourne. Voilà. Et là, les amis, on sort. Voilà. Là, on a le côté BBQ, j'adore. C'est bien crispy. On a bien fait caraméliser la marinade. On la remet dedans un petit peu au passage. Voilà, ça, c'est beau, ça. Alors, n'oubliez pas, le poulpe est déjà cuit. Hein. Ça sert à rien non plus de le cuire trop longtemps. Hein. Ce n'est pas de la viande. On n'est pas obligé de le cuire bien cuit. Et puis, n'oubliez pas que plus vous le cuisez, plus il va devenir très, très dur. Regardez ça. Wow. Imaginez-vous, petit bras de poulpe rôti comme ça, grillé à la marinade sèche au chili pepper et garlic. Poivron grillé, citron grillé. Regardez ça. Voilà, ça, c'est beau, ça. Et là, donc, on passe au dressage. Je vous rappelle, les poivrons ont été cuits à l'avance, 180 degrés, pendant 1 heure à 1 heure et demie au four, puis placés dans un récipient avec un couvercle ou du film. On laisse une nuit, on pèle le poivron, on enlève les graines, et après, on le passe au barbecue avec un peu d'huile d'olive et de l'oignon. Ensuite, et on rajoute de l'origan. Ensuite, des citrons coupés en deux, arrosés d'huile d'olive, et on fait griller. Ensuite, on cuit le poulpe 45 minutes dans une eau tombante, d'accord? La chaleur tombante, comme ça. Hop, toute une nuit, on le sort, on laisse reposer, on taille les tentacules, on prépare la marinade. 4 cuillères à soupe de cette marinade sèche, chili pepper, garlic, tu vois, récapitulatif. Ensuite, on passe ça au barbecue, 10 minutes maximum, et là, on dresse, les amis. On dresse sur une belle planche. Alors là, le barbecue, ça a partagé, hein, on y va. Et là, tac, le poivron. Poivron grillé, comme ça. On les roule. On pose les citrons. Hop. Au ciseau. Bon, les amis, vous savez quoi? Pour cet été, je vous ai régalé. Je vous ai préparé une recette de bras de poulpe, de tentacules de poulpe, grillé au barbecue avec une marinade sèche au chili pepper et garlic, poivron grillé, citron grillé. Voilà. Frais, rapide à faire et surtout régalez-vous. Tout ça avec lui là. Il est en train de piquer mon job, le barbecue. Et vous le savez, vous êtes sur Love de Nono, le petit pouce, la cloche. D'accord? On n'hésite pas à mettre ses commentaires. Hein. Des bons commentaires comme les mauvais, je prends tout, moi. Je suis comme ça, c'est Love de Nono. Passez un excellent été. C'était Nono au barbecue pour Love de Nono. À vous les studios.